and leave this place behind. No matter what they say. Eh bien, salut à toutes et à tous, Slam Company, il est 20h, je pense, c'est dimanche, j'espère que vous allez tous très bien les amis, nouvelle vidéo surprise sur la chaîne, j'espère que vous êtes au taquet, 9ème épisode déjà de Malventure. Aujourd'hui on va aller dans le Nether. Alors pourquoi finalement je tourne, pourquoi il y a une deuxième vidéo aujourd'hui en plus de celle qui est sortie à 16h, en plus c'est une vidéo bien montée, bref, n'hésitez pas à aller la voir pour ceux qui aiment bien Euro Truck. Eh bien, tout simplement parce que là, au moment où je tourne, on est samedi soir. J'ai vu vos retours du coup sur le dernier épisode. J'ai fait aussi un petit peu de montage là durant la soirée. Là, il est 22h. Il est 22h, j'ai pas fait de live. Et il n'y a rien à voir d'ailleurs en live sur Twitch. Il n'y a aucun contenu intéressant. Et je me suis dit, bah, c'est quoi? C'est le moment de faire une vidéo Minecraft. Voilà. Et c'est là qu'on voit que ma aventure, je suis content de faire cette aventure, tu vois. C'est. Voilà, c'est là qu'on sent que c'est un petit peu ma zone de confort. Je suis tellement content et merci pour vos commentaires, notamment sur le box. Je suis trop content de vos retours, je m'attendais pas. Alors, je vais être très honnête avec vous. Et je m'en fous, je suis pas vexable. Enfin, si, je suis vexable, mais pas pour ça. En fait, je m'attendais à ce qu'il y en ait qui me tacle sur le box. Et il y a eu zéro commentaire qui me tacle. Alors, peut-être qu'au moment où la vidéo sortira, il y en aura un. Mais en tout cas, voilà, c'est du 10 sur 10 en moyenne dans les commentaires. Donc, vraiment, merci à vous. Une idée d'un abonné, c'est de mettre du pots d'ol dans le sol. Donc, écoutez, dès qu'on aura un biome pots d'ol, on mettra du pots d'ol, il n'y a pas de souci. J'ai fait des petits trucs en off, par contre, avant qu'on aille dans le Nether, je vous montre. Pareil, la vache, on va en parler. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est que cette pancarte? Tu sais pas lire. Miaou, Mkolo a un déficit mental. Très bizarre. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Eh bien on va suivre les panneaux messieurs dames d'abord. Des panneaux. Et oui en fait les amis. Alors je me suis trompé dans le dernier épisode. Bon alors en fait, je vous explique, parce qu'il s'est passé plein de choses. Mais normalement ça fonctionne maintenant. Il s'est passé plein de choses, vous savez Roros il m'avait dit de mettre des panneaux. Et moi j'avais cru qu'il parlait de slab. Bref, donc j'ai mis des panneaux. Le système ne fonctionne pas parce que les vaches, elles montent en haut et elles meurent toutes seules. Bref, je vous explique grosso modo. Donc là, j'ai réussi à trouver une technique de moi-même. C'est-à-dire que j'ai remis des slabs. Ah si, Roros, il m'a suggéré de mettre, vous savez, les hoppers là. Eh ben, mettre une deuxième rangée de hoppers là. J'ai raccourci le cours d'eau. Le cours d'eau, il est super proche. Et je pense que ça devrait marcher. Bon, on verra de toute façon. Bref, c'est un bordel sans nom le truc. Clairement c'est un bordel sans nom. Voilà. Donc on verra ça en temps et en heure les amis quand ils vont grandir. Dans le doute j'ai re-ramené. Ah oui parce que j'ai cassé, j'ai tout refoutu en l'air hein, le bordel hein. Vraiment hein, j'ai fait tout un bazar hein. Donc j'ai remis des vaches et j'en ai fait reproduire tout plein. Je vous assure que entre le dernier épisode et celui d'aujourd'hui il y a quand même pas mal il y a une journée qui est passée et j'ai vraiment beaucoup joué hein, pour être très honnête avec vous. Donc voilà, j'ai fait des barrières. Alors oui il y a du jungle aussi du bois de jungle qui pousse. J'ai mis des barrières doubles. Je vous explique pourquoi. Dans un premier temps je faisais là, voilà, mon agriculture, d'accord. J'étais là en train de farmer, je coupais mon bois. Vous avez vu, j'ai changé de place un peu des trucs et tout. Parce que en vrai, aussi, pour vous montrer, hein, pour ceux qui croient, j'ai reproduit je sais pas combien de loups. Alors pas non plus énormément. Regardez le bois que j'ai. C'est pas mal, le bambou également. Non mais je vous dis, j'ai farmé les gars hein. Ah j'ai pas chômé, hein. J'ai vraiment pas chômé. Donc je suis en train de farmer et tout. Et là, c'est pas, il y a un squelette sur une araignée qui passe au-dessus de mes barrières normal et qui rentre dans ma base et qui me tire dessus hein, bien sûr évidemment. Donc en fait je me suis dit c'est pas vivable et donc j'ai dû faire une double muraille. Et bon j'ai voulu rendre ça le mieux possible. Et en plus ça tombe bien parce que n'oubliez pas on est allé titiller quand même des pillagers, donc des pilleurs. Et je la sens venir moi cette histoire. Je la sens venir moi. Les pilleurs ils vont venir du jour au lendemain. D'un coup ils vont apparaître, ils vont venir. Donc là au moins on a une petite sécurité, une petite protection. Ils pourront pas franchir le périmètre. Alors ils pourront quand même parce que tout n'est pas fermé autour, mais je veux dire ici au moins on est tranquille. Vous voyez ce que je veux dire? Au moins, voilà, là on est quand même pas mal, on est sur une bonne base. Bref, les loups, on y viendra plus tard. Qu'est-ce que j'ai fait dans... Oh, vous avez vu l'intérieur de ma maison, ça a changé aussi. Ah mais les gars, hé, croyez pas, hein, le dernier épisode il est sorti hier, le nouveau il sort aujourd'hui, mais croyez pas, j'ai pas chômé, hein. Et alors regardez, maison du bonheur. J'ai changé le sol, j'ai mis du bambou, j'ai enlevé tous les coffres. J'ai fait une petite table. Bon, hey, vous me dites ce que vous en pensez. J'ai tenté un truc. N'oublie pas le like. Surtout, hey, les gars, plus important que le like, limite, c'est de vous abonner. Très important, les amis. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Si vous êtes déjà abonné, vérifiez que vous avez bien la cloche d'activer. Très important. Donc, bref, voilà avec la petite bougie ici. J'ai encore le coffre à nourriture ici. D'ailleurs, on va se rassasier justement pour partir dans le Nether. Voilà.
Voilà, vous en pensez quoi un petit peu de cette table? C'est pas mal, c'est pas mal. Alors si vous avez des idées, je suis preneur. Alors je vais peut-être pas faire un canapé. Ah si, on pourrait faire un canapé ici. Un canapé, mais il n'y a pas de télé. Malheureusement, il n'y a pas de télé. Mais un canapé ici, ça peut être pas mal. Hein. Ouais. Petite bibliothèque là. Bref, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, vos idées un peu de décoration qu'on pourrait faire. Et maintenant, on va descendre, parce que c'est pas fini. C'est pas fini, mon ami. Regardez-moi ça, j'ai absolument tout agrandi. J'ai absolument tout agrandi. Alors, dans ma tête, ça me paraissait encore plus grand que ça. Mais pour vous, normalement, ça doit vous faire un choc, parce que bah, depuis le dernier épisode, ça a quand même bien bougé. Alors, je vous explique, j'ai changé aussi mes coffres, mon système. C'est beaucoup mieux comme ça. J'ai mis les item frames ici. J'en avais marre, à chaque fois, j'appuyais sur les item frames, c'était terrible. Donc là, au moins, voilà, tout est bien rangé. Tout bien, impeccable bien. Les minerais, bien comme il faut. Bon, là, j'ai pas de diamants, malheureusement. L'or, l'émeraude, etc. Voilà, tout impeccable. La laine pour les échanges. Mec, on va se mettre trop yimbe. On va pas faire ça aujourd'hui. Voilà, juste nickel. Ici, on va faire une cuisine. La cuisine, on va la faire là parce que pour des questions pratiques et RP, en vrai, la cuisine ici, c'est pas une bonne chose. Parce qu'il y a du bois tout autour, il n'y a pas de cheminée, il n'y a rien. Et en fait, j'ai réfléchi, enfin, j'ai réfléchi en creusant tout simplement. Là, vous voyez l'herbe. Donc, ça veut dire que si je casse ici, je suis à la surface directement, d'accord? Donc, ici, on va construire une cuisine avec une hotte et on va faire une sorte de petite cheminée qui sort du coup, hop, à la surface, juste là. Et ça va pas faire moche, on va faire un petit tube de rien du tout. Voilà, vous avez compris un petit peu l'idée. La bibliothèque, je pense qu'on va l'enlever évidemment. Et en fait, on va la mettre ici, juste là, pile au milieu. Ça va être parfait. Et puis comme ça, on pourra un peu mieux aménager tout le bordel. Ici, j'ai fait une ouverture vers le. Bonsoir, le cratère. Voilà, je sais pas comment on peut appeler ça. J'ai oublié. Il est 22h, les amis. Ici, on va tout agrandir. On va mettre de la vitre et ça va être magnifique. Voilà, où on pourra faire un accès direct également. Voilà, avec une. Ah bah, la passerelle directement, puisqu'on est au milieu d'ailleurs. Donc on pourra faire une passerelle ici. Bon voilà. Hey, plein de choses les gars. Plein de choses. J'ai pas chômé. Bon et puis là ça change pas. C'est ça descend en bas. Voilà. C'est tout pour WAM. On va se préparer. Et on va aller dans le Nether. Je me prépare. Je vous reprends tout de suite. En fait c'est vrai que j'ai pas besoin de grand chose. Le plus important. Déjà le seau il sert à rien. Je me suis fait deux boucliers en rab. La cobble. Ben j'en ai pas. Tellement je suis riche. Donc je vais prendre de la stone. Niveau nourriture on est bon. Niveau torche on est bon. La pioche elle est mending. Donc on va se faire l'XP. On va la réparer. Et puis la hache. On va pas non plus trop l'utiliser. Faudra faire un petit peu attention, mais quand même, voilà. Donc en vrai, on est pas mal. Je pense qu'on va pouvoir partir directement. Laissez-moi réfléchir, mais on a tout ce qu'il faut. On a tout ce qu'il faut. Bon, là, c'est en vrac, hein. C'est encore pas rangé. Pareil, les coffres ici, vous voyez, c'est encore pas rangé, mais ça le sera bientôt. Là, vous voyez un petit peu l'idée de comment j'aménage les choses. Je vais vérifier rapidement, j'ai besoin de rien. Niveau stuff, ah, mes bottes. Ah oui, ah oui, de l'or! Malheur! On va pouvoir faire des trocs. Attends, je vais prendre tout mon or, de toute façon, ça me sert à rien. Voilà, on va prendre les 45 or pour faire des trades. Ça, je garde, ça, je garde. Ça, je vais garder pour pas qu'on m'attaque. Et les bottes en fer, à la limite, je vais en refaire. Oh, et ça rime en plus, mais c'est formidable. Les bottes en fer? Bah, ah oui, non. Oula, je suis aveugle. Il est 22h, je le rappelle. Hop, hop, voilà, comme ça au moins, on sera tout frais, tout neuf. Allez, on y va, les amis, direction le Nether. Bon, il fait nuit, on s'en fiche un peu. On s'en fiche un peu, de toute façon, qu'il fasse jour ou nuit dans le Nether, ça change rien. Donc j'ai pas encore généré le Nether, les gars. On va découvrir ensemble. Et attendez juste. Non, ils ont pas grandi. Hein. Ils ont pas grandi. Allez, on y va directement. La décoration du Nether, ouais, on va faire ça, vous inquiétez pas. Pas aujourd'hui, mais on le fera, il n'y a pas de souci. Vos idées, je les ai bien pris en compte également. C'est parti, suspense! N'oublie pas le like, l'encouragement, la récompense. Ok, bro. Ok, bro. Ok, allez, je fais un petit screen des coordonnées. Et on a déjà pas mal de quartz. Donc, qui dit quartz, dit XP, mais surtout réparer ma pioche. Et la rendre donc illimitée, hein, vous l'aurez compris. Donc ça, c'est parfait. Et le quartz aussi qui va me permettre de faire donc des systèmes de redstone, n'oubliez pas. Donc de faire par exemple les observeurs. Donc les observeurs blocs qui permettent donc ma machine à bambou automatique. Alors même si du coup j'ai bien farmé le bambou et c'est plutôt pas mal. Limite j'ai même pas besoin de faire la machine. Mais bon c'est pour le plaisir de le faire. Et puis comme ça on a toujours du bambou illimité, hein. Mais voilà les systèmes de redstone, le quartz c'est important. Faire de la décoration également, hein, le quartz. Peut-être que je crois qu'il y a des nouveautés aussi avec. Peut-être, je ne sais pas. Mais la cuisine, je la vois bien en quartz, hein. Dans tous les cas faire des frigos etc. Donc voilà. Allez. On va partir vers là-bas. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est de l'or. De la glowstone aussi, ça fait toujours plaisir. On va récupérer la glowstone directement. Bon, on est en sécurité et ça, ça fait plaisir. On est vraiment à l'intérieur. Alors, ce qui fait moins plaisir, c'est que ça va être un bazar pour sortir du coup.
Mais au moins, ici, on est safe. Il y aura pas un ghast qui va pop et qui va nous exploser la tronche. Et ça, c'est déjà pas mal. Alors, par où on va sortir? On va suivre le chemin, on va mettre des torches. Parce que moi, vous savez, ça me stresse un peu quand il n'y a pas trop de lumière. Ça permet aussi de retrouver un peu son chemin. Ouais, bon, bah là, du coup, c'est un cul-de-sac total. On est couche 95. Je sais pas du tout c'est quoi les couches. S'il y a des couches négatives dans le Nether, j'ai complètement oublié. Moi, je propose qu'on passe là-bas. Voilà, ça, c'est pas mal quand même. C'est que... Merde. Voilà, ça, c'est pas mal. Alors, faire attention parce que ça peut se casser à tout moment, la pioche. Hein. Faire attention à la lave également. Ah! Déjà, j'entends des... J'ai entendu de la vie, là. Ok. On va faire gaffe à pas leur donner de mauvais coups. Ok. Je sais pas où ils sont, ils doivent être plus en haut. On va y arriver là, on va y arriver. Ok, c'est bon. Bonjour monsieur. Bon, normalement il me fera rien hein. Mon ref. Oh non. Non, il est gentil hein. Attendez, j'aime pas ça, ça me fait peur. Non, non. Ok. Est-ce que tu troques? Ok, il troque, c'est bon, je peux lui donner de l'or, il est gentil, ok. Non, parce que je sais qu'il y en a qui nous attaquent quoi qu'il arrive. Et je saurais plus faire la différence. Merci pour le cuir, ça fait plaisir. Attends, viens mon ref. On va en profiter là. On va en profiter, donne-moi un peu tout ce que t'as là. Si déjà t'es là. C'est plutôt pas mal en vrai. Ok, il m'a donné quoi? Des flèches spectrales. T'es débile. Des flèches spectrales. Donc ça permet de... Quand tu touches les ennemis, tu les vois. Oh! Mais mec, mais merci beaucoup. Mais attends, mais c'est moi ou dans... sur cette... Merde, c'est moi ou sur cette snapshot? Les loots sont genre ultra cheatés là pour le moment. Attendez. Parce que Ender Pearl, c'est pour l'Ender Dragon les gars. Un bouquin Soul Speed qui va nous permettre de marcher plus vite sur la Soul Sand. C'est déjà sympa. Bon là il me donne du gravier, rien de bien fou. On va monter, vous inquiétez pas, mais là je suis un peu excité, je vais pas vous mentir. Je suis un peu comme un gogos. Ouais. Fire. Oh, il m'a donné 3 minutes de fire résistance. Si je suis dans la sauce, dans la lave, ça va m'être, mais très utile. Et des pépites de fer. Merci mon ref. Par contre, y a rien là aussi. Alors j'ai peur de te taper en fait. J'ai peur de te taper. Je sais pas si tu comprends. Oh là là. Non, non, mais j'ai peur de te taper, je t'assure. Allez, laisse-moi monter. Voilà. Ah, c'est bon. Bon, je vais réparer ma pioche parce que mine de rien, ça va vite. Ok, ça fait une ouverture en plus. Oh, ça me fait peur par contre. Hein. L'ambiance, elle me fait peur. Leur bruit n'est pas rassurant. Même si normalement, ils sont gentils. En fait, c'est dans les bastions, je crois, hein, qui nous attaquent directement. Hein. C'est pas les mêmes. Mais je préfère me méfier. Je préfère me méfier. Allez, on va aller par là-bas. Ah, voilà, on a une ouverture ici. De la lave, très bien. On va mettre de la stone, comme ça on sait qu'on vient de là. Ok. Bon, pour le moment, c'est pas très très ouvert. Hein. Et ça m'intéresse pas trop. Hein. Bon, déjà, moi, si je voulais aller dans le Nether, c'était surtout pour récupérer notamment du quartz. Pour avoir un premier. Voilà, un premier contact avec le Nether. Donc, ça c'est parfait. On a de la glowstone aussi. On a eu des beaux échanges. En vrai, déjà là, encore une fois, à chaque fois qu'on sort, c'est fructueux. Vraiment, même si on fait pas grand chose, c'est fructueux. Par contre, c'est vraiment pas ouvert du tout. Hein. C'est vraiment pas ouvert du tout. C'est très dangereux. J'ai des mains moites. Hein. Voilà, je vous le dis, j'ai des mains moites. Voilà. Après, là, l'idée, c'est pas forcément de trouver un bastion tout de suite ou de trouver un donjon, vous savez, avec les blaze rods. Voilà, c'est pas encore la priorité, on s'en fiche un peu. L'Ender Dragon, on va pas forcément le faire dans le prochain épisode, quoi. Attends, je vais couper la lave. Mais voilà, c'est déjà plutôt pas mal pour commencer. Là, le plus important par la suite, ça va être de se stuffer. La netherite, à la limite, vous savez, c'est quelque chose qu'on peut fermer quand même, hein, mine de rien, la netherite. Surtout là, on est safe, là où on a notre portail. Donc on a juste à descendre en profondeur. Et on pourra faire du minage au petit pour avoir de la netherite. Hein. Pour le coup, la netherite, je m'y connais. Alors, je sais plus la couche. Hein, une fois que je connaîtrai la couche, voilà. J'ai pas besoin de ce saut, remarque. Mais j'ai la technique avec les lits et tout, vous savez. Pour tout faire exploser et pour récupérer directement un maximum de netherite, quoi. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors là, ça descend dans les enfers. Ça ne sert à rien d'y aller. On n'a pas de chance au niveau de l'ouverture. On a de la chance dans le sens où on est sécurisé.
On n'a pas de chance dans le sens où du coup on trouve rien d'intéressant. Par contre, ce qui serait intelligent de ma part, c'est de couper la lave, mais surtout la récupérer en fait. Ça fait de la lave gratos en fait. Bon alors là, bon courage, mais... Ah non, mais là y'a rien à faire, frère. Ça va nulle part là en bas. Mais ça va nulle part là, ça sert à rien que j'aille. Ça ne mène à nulle part littéralement. Alors, on va peut-être aller voir par ici. Bon, là j'ai du quartz. Ça c'est d'XP gratos. Hein. Ça c'est gratos. Vous voyez ma pioche au début de l'épisode, là où c'est qu'elle en était. Je veux dire, elle était un peu malade, elle allait se casser. Et là, regardez, elle est à la moitié de sa vie maintenant carrément. Et il en faut peu, hein. Alors, plus on va le faire, plus on va réparer la pioche avec de l'XP, plus ça va prendre du temps à réparer, hein. Pour ceux qui connaissent pas, je préfère vous le dire. Mais là, ça vous donne un peu l'idée du truc, quoi. Regardez. Là, elle va être presque comme neuve. Bon, j'exagère un peu, peut-être, mais tu m'as compris. Allez, on récupère un maximum de quartz. Je suis sûr qu'il y a moyen de faire des trucs sympas avec. Et même par la suite, avec les snapshots, j'y crois, moi. Moi, j'y crois dur comme fer. Hop, voilà. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal. On va remonter. S'il y a moyen de voir si on peut se faire une ouverture, ce serait chouette. Genre là en face par exemple. Ça doit forcément mener à quelque part. Je vais mettre de la stone. Ok. Là, moi je crois que ça va nous mener à quelque part. Yes. Bon bah voilà hein. C'est un petit peu finalement la taille du nether quoi. Bon. Vous savez ce que j'aurais dû faire? C'est un peu débile de ma part. J'aurais dû avant de rentrer dans le nether, prendre la direction de la jungle. Je sais plus c'est en quelle direction qu'on allait dans la jungle. Et comme ça, ça nous aurait permis de creuser. Même si on creuse comme des débiles, mais au moins c'est rentable parce qu'on va direction la jungle. Vous voyez ce que je veux dire? Bon alors attendez, dans tous les cas on va repartir d'ici. Ah attendez, non non, avant de redescendre, là, ici ça va où là? Eh oui, attendez, c'est pas fini. Ah voilà. Ça monte à gauche. Ça monte à gauche, c'est un cul-de-sac. Bon, à tout moment on peut creuser. Et ici, voilà. Ah. Bon bah au moins on sait que au moins on est au portail quoi. Bon bah voilà, ça c'est fait. C'est superbe. Alors par contre j'espère ils vont juste pas rentrer dans le portail parce que ce serait un peu chiant. Mais attends, si ça se peut du coup, il y a des endroits cachés que j'ai pas fait attention. Là, non pas du tout. Ok. Donc là si on regarde, attendez, je reviens dans le monde normal rapidement hein. De toute façon le but de cet épisode c'est qu'il dure 20 minutes parce que je m'en excuse. Tous les derniers épisodes ils ont duré une demi-heure. Direction nord, la jungle, là-bas. Oh non. Oh ça va être terrible. Bon c'est pas grave. Direction nord. Donc par là-bas. Ce qui veut dire en fait les amis. Attendez, je vais chercher sur internet la couche de la netherite. Ok, donc j'ai regardé, c'est entre la couche 9 et la couche 21. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va creuser entre la couche 9 et 21. Direction nord. Alors pour ceux qui connaissent pas Minecraft hein, et d'ailleurs voilà, je fais un clin d'œil à ceux qui regardent ce let's play sans connaître de base le jeu. Et ça me fait trop plaisir d'ailleurs de vous faire découvrir. Pour vous expliquer, en fait dans le nether, donc dans ce monde là, quand tu parcours un bloc, et ben c'est comme si tu parcourais, je crois, 8 blocs dans le monde normal. Ce qui veut dire que, donc tu te déplaces plus vite dans le nether. Ce qui veut dire donc que j'ai fait vous savez, pour aller dans la jungle, pour récupérer le bois de bambou, tout, voilà. J'ai parcouru genre plus de 3000 blocs. Et ben là, dans le nether, tu fais 3000 divisé par 8, si c'est bien ça, hein, je crois que c'est 8. 3000 divisé par 8, je sais pas combien ça fait. Bref, si là je parcours ce nombre de blocs et que je fais un portail, et donc ce sera très rapide pour y arriver, tu vois, genre, je sais pas combien ça fait, je vais pas vous mentir. Bah si je refais un portail, je vais atterrir dans la jungle. Tout bêtement. Oh nice, une ouverture. Yes. Nice. Ah bah du coup c'est parfait. Oh c'est super. C'est super. Donc là vraiment on se régale. On se régale. Oh. Oh oui. Oh oui.
Non, vraiment, là, on se régale. On se régale. On a des nouveaux types de bois en plus. Alors, par contre, fais attention, je sais plus qui est gentil, qui est méchant. Hein. Je vais récupérer. Et comme ça, quand on rentre à la base, on a des nouveaux matériaux directs. Hein. Je récupère ça. Donc, ça, c'est du bois Crimson Stem. C'est du bois plutôt joli, plutôt mignon. Du bois un peu lave. J'ai peur de mourir. Parce que là, j'ai aucune confiance en personne. Vraiment, hein. Hop, on récupère la glowstone parce que c'est joli. Et je crois que ça sert aussi à faire des trucs en redstone. Je ne suis pas sûr. Si, on peut faire des horloges avec. On peut faire des horloges avec. Eh, hey, tu. Eh hey Hein? Mais c'est à moi ça! Tu me redonnes? Alors attendez, je vais jeter la netherrack qui me sert à rien. Voilà. Oh, on a une belle ouverture là. Ouh, on a une belle ouverture les gars. Ah, les prochains épisodes, ils vont être sympas quand on. Quand on repartir dans le nether. Non, on a vraiment beaucoup de chance. Hein. Oh non. Oh non. J'aime pas ces bruits-là. Hein. J'aime pas du tout ces bruits-là. Bon, je récupère du bois. J'adore récupérer du bois. Ok. Ouais, je disais. Alors, déjà, demain, j'espère que j'ai expliqué correctement ce que je voulais dire concernant le Nether et le monde normal. Que en gros, c'est 8, 8 cubes de moins en fait la distance. C'est-à-dire que en gros, vous voyez les coordonnées 128, 47, 71. Et ben, si tu vas de 0 à 128 dans le Nether, et ben dans la vraie vie, t'aurais parcouru de 0 à 128 x 8. C'est les pires explications. Je vais récupérer ça aussi. Hop. C'est Bibi qui régale. Voilà. Et avant de repartir, enfin de toute façon, près du portail, on a des copains, je crois. Et ben on va refaire des échanges avec eux, avec l'or qu'on a. Sait-on jamais, hein. On dit pas non à quelques Ender Pearls en plus. Voilà, ça c'est méchant, ça, vous voyez ça? Ça c'est méchant, ça. Et ça te défonce la race. Ok, je me casse. Voilà, j'ai le cœur qui palpite. Voilà, je vous le dis, j'ai le cœur qui palpite. Alors, pour ceux qui connaissent pas le jeu, si je tape un de ces mecs là aussi, là, vous voyez, malgré qu'ils sont gentils avec moi, alors ils sont gentils avec moi parce que je porte une pièce en or. Mais par contre, si je les tape, dans tous les cas, ils m'attaquent. Hein, ils m'attaquent tous en groupe et c'est fini. Hein, il n'y a plus aucune amitié. Donc ça, plus toute l'hostilité que représente le Nether, bon, voilà. Hein. Superbe. Ils sont où les mecs à qui je fais des échanges là? Il y en avait là avant. Mon ref. Là. Non, ça c'est un bébé. Ah bah c'est le bébé qui m'a volé ma glowstone. Bon, je sais pas où ils sont, bref. C'est pas grave. Déjà, c'est quand même plutôt pas mal ce qu'on a récupéré. Franchement, ça me fait trop plaisir. On a fait une belle expédition. Franchement. Hein. Franchement, on a fait une belle expédition. Alors moi, ça me fait chier qu'il y ait un pigman dans le monde normal, mais bon, c'est pas grave. On va rien lui faire tant qu'il nous fait rien. Au pire, s'il nous dérange, on le butera. Normalement, ça pose pas problème. Je veux bien que vous me confirmiez en commentaire, mais normalement, si on le bute dans le monde normal, ça posera pas problème, personne sera au courant. Mais voilà. Je suis content, les gars, on a récupéré, bordel, 2 enderperles. On a récupéré pas mal de ressources du Nether. On a réparé notre pioche. Et puis, on a récupéré le quartz. Et oui, le quartz qui va nous permettre de faire des observer blocks. Bon, je vous tiens au courant pour la machine à vache si ça fonctionne ou pas. Je pense que ça peut fonctionner. Je sais pas si je vous ai bien expliqué ce que j'ai fait. Oula. Mais je l'ai fait. Bon les amis, nickel, j'ai hâte de voir vos retours. On va s'en arrêter là pour cet épisode. Si vous l'avez kiffé, n'oubliez pas le like. Et encore une fois, très important, l'abonnement. Et puis nous on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. C'était Mkolo, plein de bisous. Ciao tout le monde.